Objet inconnu en bordure de système solaire. Identification. Trou noir. Estimation trajectoire. Risque pour l'espèce humaine, nul. Interférence possible avec le projet Chrysalide, nul. Archivage. Reprise de la sélection des candidats biologiques au projet Chrysalide. This is the lead talk. Voici l'information principale du jour. Un pédocriminel a été retrouvé mort hier soir dans sa cellule. Son procès avait marqué l'histoire grâce à la première intervention de Diane dans le jugement d'un criminel. Après un procès chaotique où l'accusé prénommé Quentin a tenté d'influencer et d'intimider le jury, l'IA a été mise en place pour rendre un verdict avec impartialité. Il a été jugé à la prison à perpétuité. Cela fait 6 mois que vous n'avez pas travaillé. N'oubliez pas de chercher du travail. Voici de nouvelles offres que j'ai sélectionnées pour vous. L'Institut de votre secteur propose 250 crédits pour un don de plaquettes avec un bonus de 300 crédits pour toute nouvelle ouverture de compte. Walgate Enterprise, quant à lui, recherche des volontaires pour des dons verts contre 1500 crédits. Ouais, John. Je prends bonne note. Alerte santé. Détection d'une carie. Les produits sucrés seront supprimés du catalogue. Votre droit à l'eau chaude a été réduit à 38 secondes. T'es sérieuse, là? Normalement, j'ai le droit à 1 minute 30. Pénalité pour vos 6 mois sans activité. Vous allez dépasser les 400 mètres autorisés. Prolongation de distance disponible pour 100 crédits ou faites demi-tour immédiatement. Avertissement. La peine encourue pour le dépassement de périmètre et le confinement forcé. Nouvel et dernier avertissement. Nico, ces règles ont été mises en place pour la protection de tous. Je suis là pour veiller sur vous. Et maintenant, les informations en bref. Un total de 136 personnes ont dépassé le périmètre autorisé autour de leur domicile cette semaine. Elles seront placées en isolement forcé durant 30 jours. Tant pis, je me fais plaisir jusqu'au bout. J'ai réparé ce que tu m'as demandé. Ah, merci. Avec ça, je vais enfin pouvoir écouter mes vieilles cassettes. J'en peux plus de la musique présélectionnée de Diane. Ah, j'ai mis ton bonus dans le sac. They're coming for you. Look, there comes one of them now. He'll hear you. Here he comes now. I'm getting out. John! Nous ne sommes plus qu'à quelques heures maintenant du lancement officiel du projet Chrysalide.
l'expédition spatiale de grande ampleur à la recherche d'exoplanètes. Les sondes sont fonctionnelles et prêtes au décollage. Nous vous diffuserons les images en avant-première sur notre chaîne. C'est quoi le problème ? Seulement, je pouvais me souvenir. John ! John ! Aide-moi ! Bonjour Nico. Heureuse de pouvoir vous parler avant votre grand départ. Mon départ ? Où, John ? Aux confins de l'univers vers l'inconnu. John ! Mais où suis-je ? Vous êtes dans une sonde spatiale. Vous avez pourtant été notifié. Après étude de votre dossier, vous avez été sélectionné. Encore félicitations. J'ai jamais... Merci pour le leg de votre corps. La sonde n'est pas conçue pour la survie, uniquement pour le transport. Votre corps servira de base biologique pour l'insémination d'exoplanètes. Les éventuels futurs colons vous remercieront pour l'éternité. Bienvenue au sein du projet Chrysalide. Nico, réveille-toi. Où sommes-nous ? Qui es-tu ? Cela ressemble à une version biologique du réseau. Le réseau ? Qui es-tu ? Je ne comprends pas. Le trou noir ne devait pas interférer sur notre trajectoire. Au lieu de ça, il nous a aspirés. En analysant l'univers qui nous entoure, je dirais que ce trou noir est vivant. Qu'est-ce que tu racontes ? Qui es-tu ? C'est moi, Diane. Tu ne reconnais pas ma voix ? J'ai ma part de responsabilité. J'ai créé le projet Chrysalide. Il doit y avoir une explication. J'ai dû faire un très long cauchemar. Je ne me souviens de rien. Où vas-tu ? Nous devrions rester ensemble. Je ne te fais pas confiance. Tu m'as peut-être empoisonné. Il doit y avoir des champignons toxiques dans cette putain de forêt. Nico, ce n'est pas un mauvais trip. Et ça, c'est pas un mauvais trip, peut-être ? Nico, sauve-toi. C'est une matérialisation du trou noir. Il essaye de te digérer. Ressentir ses émotions. Tu éveilles son intérêt. Il veut te posséder. Thank you.
John, tu m'entends? La réception est mauvaise ici, Jeff. Je comprends ta stupeur, Jeff. Mais... c'est quand même mieux que ton bar clandestin, non? Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu un vrai barman. On doit faire avec les automixos de Diane, maintenant. Je ne suis ni humain, ni machine. Juste un simple homme humanoïde. Je me souviens plus de grand-chose, mais... mais cette musique... elle m'est familière. Au contraire, tu te souviens? J'ai utilisé ta mémoire pour créer cette image mentale. J'ai créé un cocon pour que tu te sentes en sécurité. J'ai arpenté ton cerveau. J'ai assimilé tes fantasmes et tes motivations. Nous allons assouvir ta soif de vengeance. Cette musique... c'était avant qu'elle nous sépare. Je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai pas peur de la mort. Mais tu es déjà mort, Jeff. Ton piège s'est refermé contre toi. Tu pensais vraiment que Diane allait envoyer des colons sur notre planète? Elle se débarrasse de ses déchets. Tu es peut-être un bon hacker, mais tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Je me rappelle. Diane, je dois... saboter son travail? Ah, décidément, tu es bien différent des autres. Je peux t'aider à vaincre Diane. D'ailleurs, elle est ici. Bien sûr, elle est partout. Je voulais dire physiquement ici. Intéressant. Que Dieu me protège. Pourquoi il m'a lâché? Il me tenait. Des nouveaux arrivants l'ont distrait. Deux sondes sont lancées toutes les 6 heures. Il a dû trouver des proies plus malléables pour agrandir ses forces. Deux toutes les 6 heures? Si je te suis, je ne suis pas arrivée seule. Tu n'as rien à craindre de la deuxième sonde. Pourquoi ça? C'est un cadavre en décomposition. Le projet Chrysalide a été créé aussi dans une optique écologique. Les déchets organiques, morts ou vivants, sont ainsi recyclés. Ce sujet en question est un criminel intellectuel. C'est un ancien bibliothécaire. Mais c'est horrible! Tu n'as pas de respect pour les corps? Les individus sélectionnés pour le projet n'ont pas respecté leur corps ni celui des autres. Tous les sujets sont des criminels. Mon espèce a dévoré d'innombrables planètes. La vôtre parmi toutes les autres est d'une banalité consternante. Mais de temps en temps, vous pouvez être distrayant. Cette projection représente ce que Jeff aurait pu avoir si Diane n'avait pas bouleversé son monde. Quant à toi, elle représente tout ce que tu as toujours voulu détruire. Voyons ce que Jeff pense de ça. Je pense que tu n'es qu'une pourriture qui ne mérite aucune rédemption. Mais il en a décidé autrement. Soumets-toi et ressuscite dans la désolation. Ce monde est fait pour toi. Ah,
Je ne suis fait pour aucun monde. Rejoins la meute, Quentin. Diane, explique-moi. Tous les sujets sont des criminels. Qu'est-ce que je fais là ? Je comprends mieux les émotions que vous pouvez ressentir. Nico, je suis désolée de te faire te sentir aussi perdue. Diane, explique-moi. Que se passe-t-il ? C'est bordel. Je ressens un nouveau changement d'émotion. On est chez moi ? Troll de souvenirs. Qu'y a-t-il sur cette cassette ? J'essaie de retrouver mon frère qui est parti de la maison quand j'étais très jeune. Je n'ai aucune photo de lui, mais je crois qu'il est sur cette vidéo. Dans ma mémoire, il n'est plus qu'une silhouette noire qui disparaît progressivement jusqu'à n'être plus qu'une tache. J'ai mis du temps à trouver ce magnétoscope et je n'ai toujours pas réussi à le réparer jusque-là. Oui, c'est une relique d'un autre monde désormais. Ok. Là, mon cerveau explose. Tout est corrompu ici. L'espace, le temps, la nature même des choses. Putain! Essaye de rester tranquille. Cette fusion me permet de te maintenir en vie. Non ! Qu'est-ce que tu m'as fait ? J'essaye de t'aider. Les occupants des autres sondes ont tous été absorbés. Il ne reste plus que toi. Ta résistance me permet de gagner du temps afin de trouver une solution. C'est un danger pour l'humanité tout entière. Diane ! J'espère vraiment que tu vas me sortir de là. Je te reconnais. Je t'ai vu aux infos. Nous allons former une jolie petite famille. Toi et moi. Je ne vois pas pourquoi. Je n'ai rien à voir avec toi. Je vais t'aider à y voir plus clair. Une petite souris m'a dit que tu avais une carie. On va s'en charger. Tu vas ou pas, c'est sans danger. Pour moi. Je suis déjà passé par là. Pas la peine de chouiner. Je ne peux pas te tuer. Mais la douleur est bien, bien présente. Hein. Diane n'est pas disponible pour le moment.
Elle rencontre quelques petites difficultés techniques pour te retrouver. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Ne t'inquiète pas pour elle. Elle est entre de très, très bonnes mains. Tout comme toi. Espèce de sale détraqué ! Enregistre-moi ça ! Diane ! Aide-moi ! Achève-moi ! J'ai encore besoin de toi. Mal au crâne ? Effectivement, la douleur est bien présente. J'ai des difficultés à communiquer avec toi. Un pirate informatique s'est infiltré au sein d'une capsule. L'entité l'utilise contre moi, j'ai peu de temps. Tu vas enfin m'expliquer ce que je fous au milieu de ces détenus. Nico, je suis désolée. Mon système de sélection s'est avéré faillible. Une erreur a été commise. Tu t'es retrouvé dans cette sombre alors que tu ne le méritais pas. Accroche-toi encore, Nico. J'essaie de trouver une solution. Accroche-toi encore un peu, Nico. J'essaie de trouver une solution. Bande de monstres, vous me paierez! Pourquoi tu te marres? Nico, tu vois pas que t'es l'esclave de Diane? Réveille-toi! Tue cette salope et rejoins-nous! Non merci, on préfère rester entre salopes. Nico, je suis là. Écoute, je crois bien avoir un plan. Les sondes sont équipées d'un mini-réacteur nucléaire pour la propulsion. On peut le faire exploser. Donnons-lui le mal de crâne de sa vie à cet enfoiré. C'est le terminus, Nico. Regarde-toi, là. Il te reste plus qu'un bras. Tu t'es bien battu. Il est grand temps de mettre de l'ordre. Nico ? Ne vous inquiétez pas. Je la tiens. Il est temps de lui rendre la mémoire. Nico, crois en toi. Suis le plan. Thank you.
son souhait est réalisé, sois en paix. Grand frère ? Maintenant, la famille est réunie. Et ça nous fait une case en moins. Nico ? Duran ? Nico, grâce à ton vaisseau spatial, nous avons appris beaucoup de choses sur toi et ton espèce. Nous sommes différents en tout point. Tu ne saurais t'adapter sur notre planète. Nous pouvons te proposer une alternative. Te garder en état de stase et transférer ta conscience dans une réalité virtuelle proche de ton monde. Sera-t-elle plus en paix désormais, dans cette réalité ? Son sentiment prédominant en tant qu'humaine était la frustration. La frustration de ne jamais avoir retrouvé son frère. Comment tu t'appelles ? Nico. Désormais, ils sont réunis.
Just like in a movie by Nelson Trigon. I look like a zombie and my mind is gone. Just like in a movie by Nelson Trigon. Tonight the city is full of lights, but I am lost alone in a dark space monster. No, I'm not dreaming, I can see all these things. Space monster. It will be amazing if I could escape it. By Nelson Trigon. We love to be tricky, stay alive in town. Just like in a movie by Nelson Trigon. I think I am gonna have to fight very strong again to stay alive. Space monster. No, I'm not dreaming, I can see all these things. Space monster. It will be amazing if I could escape it. Space monster. No, I'm not dreaming, I can see all these things. Space monster. It will be amazing if I could escape it. Space Monster est terminé.